de poule qui nous attend maintenant, Franck. Un match du premier tour, pas encore hein, au match à élimination directe, mais la tension monte, on le sent. Nous sommes à l'extrême sud du Brésil, dans la ville de Porto Alegre, pour suivre en direct cette rencontre, plus exactement dans l'Estadio Beira Rio. Il est difficile de faire plus au sud, en effet, puisque nous sommes à quelques kilomètres seulement de la frontière uruguayenne. Et nous allons suivre la rencontre entre la France et le Honduras. Dans son groupe. Les Bleus vont enfin plonger dans cette compétition. Il est crucial de bien négocier cette première sortie pour rester dans la course à la qualification. Matuidi, le gardien qui repousse. Palacios. Garcia. Johan Cabaye. Ballon pour Franck Ribéry. Attention à ce centre. Et on balance devant. Vinicius. Garrido. Issa Guiré. Les 30 derniers mètres. Matuidi. Deux joueurs à la lutte. Garrido. Issa Guiré. Et il a du champ maintenant. Oh, il a déposé sur place. Oh, il attrape le montant. On ne se pose pas de questions loin devant. Allez, oui, le centre maintenant. Ah, le centre. Samir Nasri. Et ça fait but! On voit ce très beau but de la tête. Il s'élève bien, il prend l'information. Et après, sa technique fait le reste. Et il s'est complètement engagé sur ce coup de tête. Et ça a apporté ses fruits. Hein. Voilà, après cette ouverture du score, ça fait 1-0. Oui, le bon tacle. Tavares. Il était hors jeu. Allô pour Samir Nasri. Donne un petit peu d'air à son équipe. Avec Abidal. Matuidi. Oh, la lutte est en train de reprendre ce ballon. Espinoza. Issa Guiré.
Arrêt du gardien qui bloque. Ballon de Ribéry, intercepté. Figueroa. Matuidi. Agres. Vinicius. Palacios. Benson. Karim Benzema. Ils seront disponibles avec cet appel de balle. Et il redonne. Karim Benzema. Mais ça entre. Il s'incline et il a su se rendre disponible sur ce centre. Après, il fait la différence de la tête. Et tout y était sur ce coup de tête. La précision, certes, mais aussi la puissance. Ouais, le duel. Ouais, il a un peu d'espace. Un très bon jaunissement là du gardien. Le ballon qu'il est allé chercher dans les pieds. Tu dis. Ouais, bon tacle, mais c'est pas fini. Et voilà, mi-temps ici, et déjà 2-0 au score. Tout le monde est de retour et c'est parti. Oh, c'est bien parti. Ouais, c'est touché par le gardien et ça rentre. Ah, je crois qu'il va vraiment falloir le marquer de près aujourd'hui. Ça fait 2 buts déjà pour son compte personnel. Oh, le spectacle qui est vraiment au rendez-vous aujourd'hui et le score qui est à présent de 3-0. C'est pour Benzema. C'est un corner. Koscielny. Ah, il n'a pas eu à bouger le gardien. Palacios. Palacios. Benzema. Oh, elle est dangereuse cette frappe. Le corner maintenant. Oh, quelle occasion! C'est à nouveau un corner. Ribéry, c'est repoussé par le montant. Oh, l'erreur, oh, la bourde. Il n'a pas fait le bon choix, et ça c'est sûr, mais ça arrive. On revoit ce but sous un autre angle. C'est dur moralement, mais il faut tenter d'oublier ce but.
Mathieu Valbuena. Oh, et ça prouve. Ah, finalement, il revient à la faute. Et l'entraîneur qui va procéder à un changement. C'est un ballon perdu. Il va essayer de lui prendre le ballon. Bengtsson. Garcia. Il pose son ballon pour ce corner. Rassurant, en tout cas ça donne de l'air. Espinoza. Là tu dis. Oh, c'est un grand face à face maintenant, attention. Hors jeu signalé, et la défense a eu chaud. Alors, on va procéder à un changement. Carlos. Oh, ils vont plus jamais le revoir, là, ils sont aux abois, les défenseurs. Espinoza. Elle s'est récupérée sur l'aile. Mathieu Valbuena. Johan Cabaye. Avec Nastri. Peralta. Il est en bonne position pour centrer. Albena a s'est intercepté. Qui est propre, ballon toujours en jeu. Johan Cabaye. La balle pour Ribéry. Carlos. Et maintenant Valbuena. Ballon pour Samir Nasri. Carlos. Espinoza. Mathieu Debuchy. Oui, bien joué le contre, ce n'est pas fini. Coquelles. Benson. Issa-Guiré. Ah, il y avait mieux à faire sur ce centre. C'est vraiment du petit lait là pour les défenseurs. Deux minutes, ce sera le temps additionnel. Johan Cabaye. Matuidi. Oh, la jolie frappe! Ah, c'est dommage pour eux, parce que si ce ballon était rentré, c'en était fini. Un changement avec un joueur qui va rentrer, un joueur frais. Cette Coupe du Monde de la FIFA qui ne pouvait pas mieux commencer pour eux. Et c'est très important de prendre 3 points d'entrée. Ils peuvent même obtenir leur qualification dès le deuxième match. Merci d'avoir été avec nous pour suivre ce match. Salut !